Comment tu te comportes quand les choses ne marchent pas comme tu veux? J'ai une de mes abonnées qui m'a contactée aujourd'hui. Je pense que celle-là a été assez honnête. Elle ne m'a pas contactée, mais on l'a relancée pour savoir comment elle va. Elle a d'abord dit que non, je vais bien. Après avoir demandé un peu plus, elle dit qu'elle a demandé un service pendant une promotion et j'ai refusé. Donc, quand elle a demandé le service, j'ai refusé. Selon ses propres mots, elle dit que ça l'a mis off. En fait, elle a arrêté de payer sa dîme. Et je suis sûre qu'elle ne suit plus mes vidéos. Et elle a commencé à suivre mes vidéos. Ça a fait qu'elle a lancé un business. Elle a porté ses économies. Elle a lancé dans un business dans lequel elle croyait. Aujourd'hui, parce qu'elle est restée et elle a essayé de me contacter, je n'ai pas répondu. Ou bien elle a demandé quelque chose, je n'ai pas accepté. Elle remet en doute ou en question sa dîme. Sa... Comment je peux même vous dire ça? Faites attention. Faites attention. L'ennemi va jouer avec vous. Vous ne faites pas ce que vous faites à cause de moi. Même si elle meurt demain, continue de payer ta dîme. C'est comme si vous êtes parfois derrière votre caméra seulement pour le boucan. Oui, la reine, reine. Non. Il s'agit de déraciner les entités qui vous ont bloqué depuis des années. Vous blaguez. Tu peux payer ta dîme, ça ne donne pas demain. Ça commence à donner dans 8 ans. Les gens ne sont pas parfois prêts aux adversités. Et à cela, 10 ans,
je suis sortie avec un monsieur nigérien. C'est quelque chose qui m'a appris. Il m'a appris que l'adversité arrive pour moi. Je me rappelle quand au début de notre relation, j'étais encore jeune. Il me dit que tu dis que tu m'aimes. Quand les problèmes vont venir, tu vas faire quoi? Je dis non, je serai là. Premier problème, parlant, c'est la fuite. J'ai la fuite. Tu dois faire ce que tu fais par conviction. Si tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Je vous le dis tous les jours. Et ne le fais pas parce que je vais dire, oh, c'est bien. Si le fond de toi n'est pas convaincu, laisse. C'est ça, il n'aime pas qu'on me flatte. Tu veux savoir quelle est ma page officielle? Avec vos grosses têtes. Tu me trouves en direct sur une page, tu me demandes quelle est ma page officielle. Je vais retenir ton nom. Nadine Zen. Je ne te recevrai pas quand tu vas venir. Vous aimez qu'on vous arnaque. Tu me vois en direct. Non, ça c'est indifféré. Cette vidéo-ci là, je l'ai enregistrée. Ce direct a été enregistré. Tu veux me contacter, tu me trouves en direct sur une page, tu me demandes quelle est ma page. Si vous, êtes, si vous buvez seulement l'eau de Javel, je ne sais pas ce qui vous arrive. Ne me contacte pas. Je vais commencer à vous refuser quand vous allez venir vers moi. Tu viens, tu me dis que je veux telle chose, je dis non. Je vends mes choses à n'importe qui. Que vous exagérez. Si c'est moi qui dois te convaincre pour faire quelque chose sur toi, il faut laisser. Ne fais pas. Pour parler de choisir, pour parler de mission de vie, tu dois arriver à un niveau où on ne te force pas. On ne te flatte pas. Si on te flatte encore, maman laisse. Ne fais pas. Ne donne pas ton argent. Si ta dîme, tu la payes parce que tu me vois le matin en direct, ne paye plus ta dîme. Tu me suis, ne paye plus. Il faut laisser. Je voulais parler d'une femme que j'ai vue un jour dans l'avion. On arrive à destination, elle ne me parle pas. Quand on est dans le bus, parce que le bus vous prend de l'avion, pour l'entrée de l'aéroport. Je m'assois à côté d'elle, derrière son mari. Et lui, il est devant nous. Elle me touche, elle écrit quelque chose sur son téléphone, elle me montre. Elle me dit que je vous suis en ligne, j'ai payé ma dîme une fois. Il a vu. On a eu des problèmes à la maison, est-ce qu'ils ont failli divorcer. Elle me dit que je vous suis en ligne, j'ai payé ma dîme une fois. Il a vu. On a eu des problèmes à la maison, est-ce qu'ils ont failli divorcer.
Bien sûr, quand le mari a fait, elle a arrêté. Je suis dans le jardin, hein. Vous allez avoir beaucoup de crayons dans vos oreilles. Le chemin, c'est quand je l'ai découvert, j'avais pas de papier, pas marié, pas de boulot, pas d'argent. J'ai eu la conviction que si je suis ça, ça va donner. Ça m'a coûté beaucoup de relations. Beaucoup de relations. L'homme vient, il commence à dire que, ah, toi tu es bizarre. Après, il part. Je reste dessus, je pousse, je pousse. Il vient, il te dit que laisse ça. Oui, laisse, tu viens, on vit ensemble. Tu viens, je vais te financer. Tu dis non. Je vais continuer d'enseigner. Mon don, c'est l'enseignement. Après, il te quitte. 4 ans plus tard, il te voit. Il voit que ce que tu lui disais quand vous étiez ensemble, ça fait 5 ans là. Il dit, hey, tes choses là, c'est en train de se passer. Waouh, ok. Mais il ne peut pas avouer que tu avais raison. Il ne peut pas te dire que tu avais raison. Mais pendant les 4-5 ans là, on t'a pris pour une folle, non? On t'a traité de femme célibataire, tu vas mourir seule. Moi j'ai eu tous les noms, hein. Il y a eu tous les noms. Ma mission est trop grande pour que je considère les noms qu'on m'a donnés. Oh, qui va t'épouser? Regarde-toi, regarde ton caractère. Je dis, papa, comme tu m'as vu là, voilà là où je pars. Si tu sais que tu pars là-bas, on part. Si tu ne pars pas, hein, pardon, papa. Et le truc, c'est que la majorité des hommes ne savent pas où ils vont. Vous savez ce que ça m'a coûté de savoir ce que je vais, là où je vais? Tu fais les sacrifices, tu payes les séminaires, tu vas aux événements, tu fais les prières et les jeûnes, tu fais les ceci, tu fais. Progressivement, on vient, on te montre. Tu rencontres quelqu'un, tu dis que, on m'a dit que voilà ce que je suis censé faire. Ici en Afrique. Hein? Donc en disant même ce que tu ton appel, tu as même peur que la personne te... Tu sais ce que la personne va dire. Mais tu fais seulement. Mais viens pas, non. Viens pas, on va s'amuser. Tu dis non, je ne peux pas sortir parce que je dois bosser. Je dois rester travailler sur ça. Quel genre de femme? Quel genre de... Tes parents. Si on dit que vous êtes entré dans la secte, combien de fois moi, que je suis la chef de la secte là, vous croyez qu'on a dit quoi de moi? Je suis sorcière. Je suis sorcière. Ils vont se moquer de vous. Après, ils vont vous observer. Après, ils vont vous admirer. Mais c'est un long processus. Tu me suis, tu... Oh, je veux lancer mon business. Je veux vendre les ceci, je veux vendre ça. Dieu m'a dit que je dois faire dans ça. Oh, c'est beau. C'est très beau. C'est beautiful. Est-ce que tu vas tenir? Oui, Dieu m'a dit que je peux soigner les gens.
est-ce que tu vas tenir les challenges de soigner les gens? Tu vois souvent ça, la seconde, tu vas devenir folle. Que c'est trois, tu as porté trois démons sur quelqu'un là-bas. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, ne faites plus. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, ne le faites plus. Et c'est un chemin que très peu de personnes vont voir. Très peu de personnes vont comprendre. Très peu. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui peuvent voir leur futur persister jusqu'à changer la trajectoire que leurs parents avaient dessinée pour leur vie. Là où vous êtes là, vos parents ont mis une trajectoire pour vous. Je suis parti dans une fausse école. Tes enfants sont destinés pour partir dans les petites écoles. Voilà la trajectoire qu'on a tracée pour toi. Hein. Voilà le meilleur cadeau qu'on t'ait donné. Tu arrives en Europe là-bas, tu souffres, tu fais un petit boulot comme ça là que tu vas à peine avoir un petit salaire. Voilà ta part qu'on t'a destinée. Maintenant, tu oses croire que tu peux devenir riche. Tu oses croire que tu peux changer ton statut dans la société. Tu oses croire. Et tu crois qu'on va te laisser comme ça. Les esprits là vont te laisser comme ça. Oh, elle veut devenir milliardaire. Oh, bye bye. Bah, vas-y, vas-y. Bah, ne t'inquiète pas. On avait bloqué ta grand-mère, ta mère. Ne te dérange pas, on te laisse partir. On avait empêché ta grand-mère d'aller à l'école. On a empêché ta mère de finir l'école. Toi-même, bon, ça va. Finis l'école. Deviens riche. Achète tes jets privés. Vas-y. Après, de temps en temps, ils viennent te regarder comme tu joues dans le jardin avec ton jet privé. Oh, Nathalie, elle est devenue milliardaire. Oh, Nathalie, bonjour. Vous pensez? Vous pensez? Vous ne connaissez pas le prix à payer. You don't know yet. Il y a des entités qui sont derrière vous, venant de votre père, venant de son père, venant de son grand-père. Oui. Donc tu es censé échouer. C'est pour ça que depuis que tu arrives en... C'est pour ça que comme tu arrives en Europe, on t'a laissé là-bas. Oui, Bénédicte. Il faut seulement persister, Bénédicte. Tu vois là en Europe depuis 5 ans, tu essaies de t'en sortir avec tes propres moyens. Ça se passe comment? Ce n'est qu'avec les lois spirituelles que tu vas t'élever. Ta mère, elle a essayé, après elle est morte, non? Ma mère avait l'étoile. Jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui, quand ils me voient, ils disent que non, ta mère avait changé ma vie. Elle a fait quoi avec? Ma mère avait le potentiel. Ma mère a fait quoi avec? Quand j'ai attrapé les principes que ma mère n'avait pas eu, quand j'ai eu les principes que ma mère n'avait pas eu, j'ai dit que je m'accroche sur ça. Je m'accroche. Même si c'est mon dernier argent que c'est ma dîme, je vais payer. C'est mon dernier argent que c'est le don sur les orphelins, je vais payer. J'arrive quelque part, Dieu me dit que sème ici, fais comme je vais faire. Tu dis que tu veux faire parce que tu veux me faire plaisir. Ne paye pas ta dîme. Tu as compris?
Ne paye pas. On verra la vie de qui est bloquée. Teste souvent. Prends une période où tu payes. Après, tu arrêtes. Après, tu payes. Après, tu arrêtes. Arrête pendant 3 mois. Paye pendant 3 mois. Arrête pendant 3 mois. Tu verras. La dernière fois que je jouais avec ma dîme, c'était en décembre 2022. J'étais à terre. Décembre 2021. J'étais à terre. J'ai arrêté de payer ma dîme. J'ai dit que c'est bon. C'est même quoi. Décembre, j'ai lu l'heure. Janvier, j'ai lu l'heure pendant 2 mois. Mi-janvier, je demande pardon à Dieu que papa... Je venais d'entrer dans les traditions africaines. Je ne savais pas la place de la dîme. Je crois que la dîme était chrétienne. La dîme, c'est un principe spirituel. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas religieux. J'ai arrêté de payer ma dîme 2 mois. Tous mes clients m'avaient laissé. Tous. Mais ça va, le niveau de la Côte d'Ivoire. Prends, tu écris. Paye d'abord au moins un produit. Ne cherche pas à me parler rapidement. Écoute mes vidéos, j'ai plein de vidéos en ligne. Si tu me parles, je vais te dire les mêmes choses que je t'ai dit ici dans la vidéo. Si tu n'as pas compris ce que tu as commencé à faire, il faut laisser. J'ai commencé à payer entre le 15 et le 20 janvier. Maximum 3 jours, mes clients ont commencé à me recontacter. J'ai un de mes téléphones qui a créé ce gâteau au Cameroun actuellement. J'avais ce téléphone, j'ai acheté ce téléphone en 2020. Le temps là, j'enregistre encore tous mes rentrées et sorties d'argent. Tac, la semaine-ci là. Et j'avais une dette de 150 000 que je n'arrivais pas à payer. Le monsieur m'avait donné un moratoire pour payer en 6 mois. 150 000. 150 000 que je dépense maintenant. Aujourd'hui, je dépense ça en 10 minutes si j'ai dépensé. Je paie 30 000 au mois-ci. Après, je paie 30 000. Donne-moi tout, tu écris, on va te répondre. Il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000. Attendez, les arnaqueurs vont vous contacter. N'écrivez pas pour demander le prix des choses. Hein. N'écrivez pas. Il y a les arnaqueurs avec ma photo sur leur profil. Ils vont vous contacter, ils vont dire que c'est moi la reine. Que je vois le voile sur ton visage. Ce n'est pas moi. Et moi, si je vois l'entrée d'argent, 150 000. Mois prochain, 290 000. Je me suis retrouvé en avril à 1 600. Mai, 2 100 ou 2 400 de revenus. En janvier, j'étais à 150 000. J'avais mes livres que j'avais commencé à faire. Je me balade avec mon gars comme ça. Là. On va chez un de ses amis. Oui, je vends mes livres, voilà. Ah bon? Les livres que j'ai sortis pour découvrir le potentiel de son enfant. Il me fait le chanceur de 80 000 sur le champ. Bam. Il achète 4 livres pour ses enfants. Le lendemain, je reste encore au salaire. Donc je vendais. Quand vous dites 1 million 6 comme ça, c'était mes livres que je vendais. Oh, vous parlez de quoi? C'était un rococo dur comme ça, là, qui sortait de l'Allemagne. Dieu avait son agent. Quand il payait ma dîme, il disait, oh, toi, tu vas me dépenser l'argent. Quand il vit la première fois qu'il ne croyait pas à tout ça, je ne lui disais plus rien. Il payait moi ma dîme. Il payait sans lui dire. L'argent commençait à entrer, ça entre, ça entre. Oui, Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de la dîme. Si tu ne connais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, ne fais pas. Que votre foi et votre conviction en vos gestes, en vos actes, soient une puissance. Je suis mal à l'aise quand j'arrive quelque part, je ne suis, je n'aime pas. Pour moi, pour rester dans une relation que je n'aime pas la personne, c'est dur. Je vais te faire asseoir, je vais dire que papa, je ne le sens pas moi.
Je force. Je force. Je force. Quand tu me touches, je ne sens pas. Faut laisser, pardon, laissons, papa. Je fais tout avec 100% de moi. On ne vient pas te dire qu'avant qu'elle paye ma... Et avant, ceux qui me suivent depuis longtemps, avant, par mois, je travaillais sur 50 personnes. Actuellement, ce nombre, ce chiffre a été multiplié presque par 10. Donc, tu crois que je peux avoir le temps, comme j'avais le temps avant avec toi pour parler une heure de temps? Même ceux qui me payent, même ceux qui me payent, des gens qui sortent 125 euros, que donne-moi 20 minutes de ton temps, ils attendent 3 semaines pour me parler. Donc, si tu es offensé parce que je n'ai pas le temps pour te parler comme avant, maman, peut-être que notre temps de nous séparer est arrivé. Avec tout l'amour que j'ai pour toi. Je ne déteste pas moi quelqu'un. Je m'écarte seulement. Suzanne, tu vas seulement supporter comme ça le réseau. Ayez la conviction dans votre esprit. Prends le kit fondation Miss Queen. Le kit fondation va te coûter 100 000 francs à Abidjan. Tu l'utilises. Je vous ai dit que la bataille est en train de se corser. Je combats plus dans le spirituel. Beaucoup d'entre vous, vous me voyez dans vos rêves. Je serai de moins en moins présente pour vous parler physiquement. Monsieur le grillon, tu pars où? Il va attraper le grillon s'il là. Ne fuis pas. Yeah, j'ai attrapé le grillon. Oh non, non, ne fuis pas. Tu sais pas aller où? Ouch! Il me croquait. Aïe, 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 aïe. Ouch, il fait mal. Désolé, attendez un peu. Regardez. Ils ont qui crient là-bas partout. Mais tu m'as mordu, toi. Voilà. Dis bonjour. Dis bonjour. Pile Fondation Cameroun, c'est 70 000. Voilà le grillon. Il veut sauter. Il a envie de sauter. S'il le lâche un peu là, il va seulement faire peu. Et elle me dit, Yako, c'est moi-même qui l'ai cherché donc. Mais si, j'ai cherché les problèmes. On grillait ça quand on était petit, on mangeait ça, ça avait le goût. Quand tu grilles ça, ça sent bon. Tu as eu un criquet égyptien dans ton bureau. Ah. Alors voilà. S'il fait l'erreur, le lâche là maintenant, hein, mon frère. Que les mains au fond mangent. Angèle, ça là, ça ne peut pas suffire, madame. C'est plus cher à Abidjan parce que tout coûte cher à Abidjan. Mamie, le local à Abidjan coûte cher. Les factures, tout à Abidjan est cher. C'est pour ça. Tu as compris? C'est le petit grillon. Regardez-le bien. Bonsoir la Guinée équatoriale. En Côte d'Ivoire, le donne-moi tout, c'est 25 000. Le grand, c'est 25 000. Dorian, tu me parles d'enfant intérieur, pourquoi? Aïe, il veut sauter. Tu sautes pour aller où? Oh, Damha, eh? Si tu bouges, ta patte va se casser. Donc, you better not move. Ils sont pleins dans le jardin, c'est en train de crier partout. Crou, 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 crou. Oui, il y en a beaucoup au Gabon. Il veut sauter, laisser sa patte sur moi. Tu peux pas être handicapé? Tu vas être éboi comment? Hello, Célia. Oui, il est très... Le ventre, là, il peut le nourrir encore quelques jours. Le temps qu'il grossisse bien, là.
Tu le nourris bien là. Après tu le manges. Il est encore mince. Je suis le grillon. Ne bouge pas, ta patte va se casser. C'est pas moi qui aurais cassé. Romy, on poste en France. On envoie en France. On te laisse partir. Ok, la tête est libérée. Allez, regardons l'envol du grillon. Moi, je suis généreuse. Hein. Attendez. Voilà, c'est propre. Regardez comment il veut le lancer. Il va se demander. Voilà. Ok, ok. Pas alors. Tu ne vas pas être attrapé. Et ça part. Allez, fais le grand saut. Fais le... Mais c'est comment avec toi? Monsieur, saute. 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 Un faux grillon comme ça, là, il ne saute même pas bien. Reste là-bas, ça va. On ne te regarde plus. Reste là-bas. Pour quelqu'un qui ne peut pas encore faire une lecture, pour commencer par quoi que pour se débloquer. Si tu as 15 ou 20 000, tu peux passer là-bas prendre quelque chose. T'as compris, non? Le kit fondation. Oui, je joue avec, non? C'est la viande, mais bon, c'est pas encore bien grand. C'est encore une petite viande. Moi-même, j'aime jouer avec les animaux. Hein. J'aime jouer avec les animaux. Moi, j'aime. Il est traumatisé. Oh non, mais franchement. Vous la même. Non, mais pardon, Soleil avait fui. J'avais eu un problème avec Soleil. Soleil était le genre de gars qu'il a à la maison, il ne veut rien faire. On dit même qu'on monte sur Reine, alors elle a fait les enfants. Non. Depuis qu'il est parti, j'ai dit que Reine va garder son ventre plat. Elle n'accouche plus. Un faux chien comme ça. Là. Soleil est resté là, il était trop paresseux. Et Reine ne voulait pas. Reine, elle a un esprit trop fort. Reine ne voulait pas que Soleil la touche. Un jour, les autres chiens de dehors là-bas sont en chaleur. Soleil sort et part. Soleil est parti. Il a fugué. Je rentre, on cherche Soleil. On cherche, parce que voilà, comme je vois, je suis en déplacement. On cherche Soleil. On cherche Soleil. Hop. Deux ou trois jours plus tard, la voisine me dit que elle a vu Soleil le matin quand elle partait accompagner ses enfants à l'école. Le soir du jour, là, je rêve, je vois Soleil dans mon rêve, il se fâche. Il dit que moi, il est parti avec les autres chiens. Mof, il dit pas. Soleil n'est plus jamais revenu. J'ai même dit qu'il faut que quelqu'un te mange, même pour qu'on fait le bon rôti de caniche avec toi, là. Rien n'a supporté la douleur, non. Après, elle a avancé avec sa vie. C'est comment? Soleil m'a abandonné. Oh non, mais moi, j'ai dit, je prends plus un autre chien. Vous débloquez ta boutique. Vous n'avez pas l'argent, mais vous voulez les déblocages. C'est-à-dire que prends le kit pour ta boutique qui va te coûter 115 000. Tu vas dire que non, tu n'as pas l'argent. Votre problème est ce que vous voulez beaucoup pour rien. Ça c'est une histoire d'un film, c'est digne d'un film camerounais. Cela a fait que je ne veux plus m'attacher à un chien. Une chienne peut-être. Mais les chiens mal sont comme les hommes. Vous voulez la libération, mais vous ne voulez pas investir. Oui, les mâles chiens, peut-être ils sont fidèles à toi. Moi, avec tout ce qui est mal, vraiment, on a un souci. Tout ce qui est mal, on a un petit souci. Je ne suis pas en direct sur TikTok, mon cœur.
Juju. Tu m'appelles mon cœur. Ah, il était fidèle à ta chienne. Hein. Non, Reine, elle, j'ai dit à Reine, elle est plus tombée amoureuse. Elle vit sa vie. Elle a de belles fesses. On la coiffe bien. Elle joue. Je ne veux plus qu'elle ait. Non, qu'elle n'ait plus de gourmand là. Elle était devant le portable pendant 3 jours quand elle est partie. Chaque fois qu'on entre, on sort comme ça. Elle se soulève, elle se lève comme ça. Elle dit que bah, ne l'attend pas, il ne reviendra pas. Que j'ai un problème avec les mâles, comment hein? Tout ce qui est mal. Tout ce qui est mal. Tout ce qui porte un pénis. Va en boutique, tu prends le savon anti-sorcellerie et le sel arc-en-ciel. Prends le savon anti-sorcellerie et le sel arc-en-ciel. Savon anti-sorcellerie, sel arc-en-ciel. C'est comme si la testostérone qui est dans les mâles, là, à un moment, ça monte dans la tête. C'est comme ça, là. Beaucoup d'hommes sont en train d'être efféminés de nos jours. Ils ont perdu leur... Aujourd'hui, j'ai vu une jeune dame. On a programmé la femme de telle façon que la femme sait qu'elle doit se battre. C'est comme si l'homme ne sait pas qu'il doit se battre. Elle me dit que c'est elle qui s'est battue pour que son copain obtienne le boulot qu'elle a. Ah, si on pouvait avoir les mâles, ça veut dire que je suis laisse. Ah, si je suis laisse, peut-être que c'est bien, non? C'est mauvais d'être lesbienne. Comment on peut dire ça? Ainsi qu'avec mon abstinence et mon éveil éventuel. L'éclamour. Pas de problème. Beaucoup d'hommes, c'est un peu comme s'ils sont habitués à se coucher, la femme fait tout. Au lieu que ce soit l'homme qui dise « I got you, baby », c'est la femme qui dit plutôt « Don't worry, I got you ». Je trouve que c'est dommage quand même. Combien d'entre vous, tu te casses, tu fais, tu envoies son CV. Tu te casses, tu fais ceci. Tu te casses, tu fais ceci. Combien? Hé, hey, tu pars où comme ça là chez moi? Toi là. C'est le rat du voisin, il passait. Ce qui fait que beaucoup de femmes préfèrent même à la limite savoir qu'elles sont seules. Genre, j'ai mes choses à faire, je le fais seule en fait. Je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un forcément.
Aigrillon et les rats. Non, celui-là n'était pas trop gros. Le rat, là, n'était pas trop gros. Malheureusement, c'est spirituel, hein, ce truc que je vous dis là. Beaucoup d'hommes sont en train d'être efféminés dans un sens un peu exagéré. L'énergie féminine, layback, you know, l'énergie féminine qui fait que quelqu'un d'autre part, il fait plutôt pour toi. Et si on regarde bien, la femme fait beaucoup, hein. Regardez les films d'antiquité. Oui, Célia, c'est ça, Célia. La femme fait beaucoup. Le kit commerce au Cameroun, c'est 85 000, je pense. La femme, elle pousse, elle monte, elle fait ça. Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Tout ça pour la femme. Toi, quand tu vois les poules, tu penses seulement à la chair, c'est ça? Et la société... Oh. C'est comme si énergétiquement, même la femme est plus avancée que l'homme. C'est comme si la femme vibre plus rapidement que l'homme. C'est comme si la femme comprend plus vite que l'homme. On poste en Guinée équatoriale. Prends le numéro sur la page, tu écris. Estrella. On poste. On envoie par les camions là. Hein, les rats là veulent suivre le direct, non. Vous aurez l'impression parfois que vous comprenez les choses plus rapidement. Vous agissez plus rapidement. Quand tu fais quelque chose, tac, 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 tu as fini. Tu fais un truc, tac, 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 tu as fini. Ce n'est pas du hasard. Romy Romuald, demande une lecture de cartes. Ça va te coûter 20 000. Et tu prends un kit. J'ai l'impression que pour toi, c'est toi qui es sur la photo là. Prends un kit des envoûtements. Peut-être que tu crois que ta famille te manipule un peu. Tu es très gentil, tu as beaucoup d'empathie. Tu n'arrives pas à dire non. Et c'est peut-être par là qu'ils te tiennent. On demande un kit des envoûtements et un lavage fondation. Oui, on envoie les choses à Malabo. C'est comme si même les enfants qui sont qu'on est en train d'accoucher actuellement. Oui, oui, vous pouvez envoyer on peut vous envoyer les photos des lances, il n'y a pas de problème. Les enfants qu'on est en train d'accoucher aujourd'hui, donc les bébés qui naissent actuellement, les enfants d'après le Covid, leur vibration est très accélérée. Très. Je suis au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et on poste les produits partout dans le monde. Vous allez voir que ces enfants, ils sont plus accélérés que ceux que vous aviez accouchés peut-être en 2010. Les enfants d'après 2020, là, c'est une autre vitesse. Tu as mis Christelle à Carole. Ton problème, c'est que tu as encore un peu de peur, Carole. Quand je lis ton message, tu n'acceptes pas qui tu es. Il doit y avoir des fondations, des hôtels familiaux qui te bloquent. Ils ne veulent pas que tu découvres qui tu es. Et vous allez voir que quelque chose que la femme peut faire 5, l'homme va faire 1 ou 1,5. Parce qu'on fonctionne maintenant avec l'esprit, l'énergie qui est dans la femme.
L'énergie, c'est une énergie qui va très vite. C'est boubou, boubou, boubou. Boubou, boubou, boubou. Tu sors avec ton gars. J'ai ça souvent dans... J'ai des gens que je connais comme ça, j'ai des connaissances. La femme suisse que je fais, elle paye sa dîme. Le gars payait avant parce que sa mère le poussait à payer. Après, il a arrêté. Actuellement, sa femme touche le double de ce que lui touche. Imagine la frustration qu'elle, elle doit ressentir. Parce que tu restes à la maison avec ton gars, tu dis peut-être que, bon oui, préparons ça. Allons là-bas, achetons tel habit. Non, tu vas prendre l'argent de ça où? Alors qu'elle, elle a déjà avant. Elle vibre plus rapidement que toi. Elle est déjà arrivée à un niveau où elle comprend que si elle désire n'importe quoi, elle peut l'obtenir. Si elle visualise quelque chose, elle veut. Elle sème. Elle connaît le processus de création. Ça va faire la décadence dans le couple. Et c'est la même femme qu'elle se couche la nuit, on lui montre. Si on te montre les femmes avec lesquelles ton mari te trompe, on peut aussi te montrer l'argent. On peut te montrer là où l'argent sera demain. Hmm? Les gens qui n'arrivent même pas à te cacher qui te trompent. Quand avec le téléphone, il efface, il oublie dans la corbeille. Tu peux pas retrouver. Quand la femme veut cacher ses choses, mon frère. Oh. C'est un chef-d'œuvre. Désolé. Hein? La femme cache ses choses comme un chef-d'œuvre. Elle se couche, on montre avec qui tu la trompes. Elle se lève et dit que Jennifer, c'est qui? Jennifer, c'est qui? Non, 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 non. Il n'y a personne, hein? Moi, non, 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 non. 2 mois plus tard, tu vois les messages de Jennifer. Tu dis que, il y a cela 2 mois, je t'avais demandé un truc ici. Tu m'as dit que quoi? On m'a montré un rêve. J'ai vu. Parce que l'énergie de la femme est dans une vibration plus avancée. Tu avais ses amis comme ça, là. Il te présente son nouvel ami, tu dis, mm-mm. 6 mois plus tard, oui, mon ami, là, tu avais raison, hein, vraiment. Ne lui fais pas les leçons, hein. Lucy, la lumière. Il y a des gars plus avancés, mais quand on regarde en pourcentage, c'est la femme qui est plus avancée. Je n'aime pas dire que la femme dépasse l'homme. Et même si on dit ça, les hommes ne vont pas vouloir. On est comme les underdogs. Hein? Tu vois, elle dit que c'est comme ça qu'elle a attrapé son mari, alors qu'il a le code sur son téléphone. Ce n'est pas qu'on veut vous prouver que on a raison. Non. Ça ne nous réjouit pas quand on a mal. Il y a une dame, l'autre jour, je reste là, j'étais en direct ici, là. On avait fait les travaux au village, les sacrifices. Elle était un peu malade. Je lui dis, je lui fais une lecture de carte. Je lui dis, tu dois faire encore un sacrifice. Elle me fait le message le lendemain. Bon, je n'ai pas posté le message parce qu'elle m'a dit non. Mais l'histoire, si je raconte au moins, je n'ai indexé personne. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de pays. Elle me dit, mon mari a voyagé pour un temps. Quand il est revenu, depuis qu'il est rentré, maladie sur moi. Mes affaires sont toutes bloquées. Et par-dessus tout, le sacrifice que tu as fait l'autre jour, là, ça fait même pas 4 jours. Je viens de découvrir qu'il me trompe avec toutes les preuves. J'ai la femme qui va trouver que, ouais, le père de mes enfants, ouais, mon mari, ouais, qu'est-ce qu'on va dire? Et parfois, quand on montre ces choses-là, on a déjà dépassé l'époque où tu vas aller montrer que tu avais raison. Baby, baby, combien? Si tu avais raison, tes choses marcheraient plus que les miennes. Tu m'entends? Hmm? Bonjour, quand vous venez d'arriver, demandez une lecture de carte. Ceux qui ont les sous, prenez le kit. Commencez par le kit fondation, après le kit des envoûtements.
si c'est toi qui avais raison, ce que tu avais dit, ça marcherait. Tu me suis... Ce sont les résultats qui parlent. Ce sont les résultats. Ça, là, ça fait pousser les cheveux. Hein. Oh. Coiffure de la gloire glorieuse, mon frère. Bientôt, j'ai fait mes locks. Non, c'est même passé, j'ai fait ça. C'était pas long comme ça. Romy, tu payes 20, c'est 32 euros, tu payes. Mon numéro, prends mon numéro, écrit. 237, 693, 50, 22, 66. Pour faire mes locks, je vais laisser les cheveux ici au bord. J'ai rasé ici, la santé de pousser encore. Non, ça fait pas mal, sérieux. Bon, je vais déposer ma tête sur le lit tout à l'heure, c'est là que je vais vous dire. Vous avez parlé de lavage fondation et vous m'avez conseillé le kit directement. Je n'ai pas besoin de faire le lavage alors. Miss Queen, prends le kit tu fais. Pendant que tu fais le kit, tu paies le lavage aussi. Oui. 693 50 22 66. Ce n'est pas le numéro que tu as mis là-bas. Willy, pour l'instant, je ne dirige pas personnellement les gens. Je fais les vidéos, vous venez. Vous voyez les points là, les tâches là. Ça ne parle pas, c'est pas les... Numéro est sur ma page. Vraiment, je ne suis pas trop pressée de donner mon numéro, hein, c'est bizarre. Et moi, je dis toujours que si tu veux me trouver, tu vas me trouver. Mais si quelqu'un te contacte avec ma photo sur son profil, c'est que ce n'est pas moi. Je précise seulement l'autre là. Si quelqu'un t'écrit, bonjour, je suis la reine lumière, ce n'est pas moi. Coucou, tu ne viens plus aux prières, pourquoi? Ce n'est pas moi. Tu as compris, coucou? Oh non, coucou. Coucou, oh non. Ah, tu les as, mais tu as 50 ans. Ah. Beaucoup d'agents de lumière ont ça. Hein. Parfois, même les personnes qui sont noires ont ça. Tu as déjà payé pour la lecture, chérie. Il faut que tu attendes. Quand vous payez pour la lecture, vous attendez, pardon. Ne dis pas moi tous les jours. Tu veux savoir, tu sais que ça va m'énerver, mais je ne veux même pas lire la suite, chérie. Tu as compris? Si tu sais que quelque chose que tu dis va m'énerver et que tu le dis quand même, ça ne mérite pas que je le lise. Au revoir, Célia. Il y a le groupe de prière, chérie. Il faut aller écrire là-bas, Gladys. Le grillon n'est pas encore parti. Mais grillon... Grillon, tu veux mourir? Il veut mourir. He won't die today. Hein? Il veut le jus. Ça voudrait dire que je suis un agent de lumière qui s'ignore. D'aller rentrer à la maison. Pas moi à l'intérieur. Il finit avec les grillons ici. Oh. Il veut le jus. Laisse
si tu ne bois pas la bière. D'entre vous, vous allez dépasser vos attentes. Vous allez surpasser vos attentes. Beaucoup d'entre vous, vous allez construire. L'année 2024 sera une année d'expansion. Ce sera une année d'ouverture, de concrétisation. Beaucoup. Les choses que tu avais mis en suspens depuis des années, tu vas commencer à les réaliser. Naturellement, hein. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez accumulé beaucoup d'énergie. Vous avez accumulé de l'énergie. Et vous allez pouvoir faire facilement certaines choses. Les blocages que tu avais depuis. Vous n'avez pas remarqué que souvent dans la société, il y a des choses auxquelles quand tu penses que c'est impossible. Peut-être que tu sors pour acheter la maison. Ta tranche de maison, c'est 150 000 euros. Quand tu vois quelqu'un acheter une maison de 800 000 euros, tu te dis, ah, jamais, je peux jamais. Tu vas monter en fait, tu vas monter dans l'échelle de la société. Quand tu pars pour faire des achats, pour tes vêtements, il y a des endroits où tu ne passais jamais. Tu vas souvent passer et te dire, je peux acheter ça si je veux. Je peux si je veux. Vous allez vous surprendre. Et c'est d'abord, le travail est d'abord énergétique. Vous avez fait depuis 3 à 6 mois, vous avez fait beaucoup de travail, très intense. Et là, c'est la période de récolte. Ce qui fait qu'il y a des jours où, au lieu de sortir pour aller travailler beaucoup, beaucoup, tu restes à la maison. Le soir, l'argent vient. Parce que tu as trouvé le secret. L'argent ne se travaille pas physiquement. L'argent est spirituel. Et quand tu travailles sur ton attraction, ça vient. N'oubliez pas de faire les dons. Les dons. Sortez, donnez. Faites des salakas. Donnez aux gens. Donnez. À un moment, tu connais quand tu as grandi spirituellement. Tu n'as plus peur de l'avenir. Tu n'as plus peur de ne pas recevoir l'argent. Parce que tu sais que ça va venir.
Et ça vient avec une assurance. Hein. C'est déjà que quand on dit telle, telle somme, tu dis que bon, on va réfléchir pendant 3 mois. Voyons un peu si dans 6 ans, ça peut donner. Je vous règle ça en 2 semaines. On te met une facture de peut-être 70 millions sur la table. Je dis, ok, donnez-moi 2 mois, je règle ça. 70 millions, c'est 100 000 euros. Hein. Je dis qu'en 2 mois, tu vas régler. Ça, c'est un peu c'est la puissance, la puissance dans laquelle vous êtes d'entrer. Et tu le sens, depuis quelques jours, tu le sens. Mais ça vient avec des douleurs. Vous avez parlé beaucoup de douleurs de chair que vous ressentez. Vous êtes encore en train de changer de niveau. Partagez beaucoup de riz et le sucre, les choses sucrées. Donnez. Celle qui veut le visa depuis sa 10e fois là, prends un kit visa et tu envoies au moins ta photo, je travaille sur toi. Et quand vous. Voilà, je sens aussi comme si vous êtes dans un tunnel. Quand vous allez arriver au sommet, ce sera comme une explosion, un feu d'artifice. Genre, tu es comprimé, après, pouf, champagne, pop champagne, abondance, excès. Je dis que ma coiffure me va, merci Nicolas. Même si tu pensais que ça ne me va pas, ça me plaît. Bye bye. On va se voir dans le sommet tout à l'heure. Je vais encore vous visiter. Je vais vous sortir de certains trous là. Si vous avez payé ma lecture, la lecture chez moi, ce n'est pas parce que je ne vous ai pas encore lu que je n'ai pas commencé à travailler sur vous. Je répète. Si vous avez payé un service chez moi, ce n'est pas parce que je ne vous ai pas encore parlé que je n'ai pas commencé à travailler sur vous. Vous me suivez, non? Et si vous payez parce que vous voulez avoir la pression et fonctionner dans votre temps, ceux qui sont vigilants vont savoir. C'est pour ça que je vous dis toujours, je dis pas, ne vous pressez pas pour payer mes choses. C'est carrément un peuple que je suis en train de pousser pour qu'on sorte de certaines choses. I'm on live here every day. You say longest time how? You disappeared. Invisolo. A tout à l'heure. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Cherchez-les, cherchez-les. On doit écouter cette chanson.